Dans l'épisode du samedi 9 avril 2022 des Mystères de l'amour, au Watersport, Alban ne cesse d'observer Bénédicte. Elle tombe peu à peu sous son charme. De son côté, Béatrice songe elle aussi encore à Alban et voudrait qu'elle et Cathy couchent avec lui. Julien, qui le connaît, les informe que le prof de sport est un vrai séducteur. En parallèle, Fanny et Christian attendent des nouvelles d'Adi qui se trouve à Love Island pour retrouver Brad. La chanteuse et Alex vont au restaurant de Sophie, elle rencontre Amélie, la sœur de Tom. Fanny reçoit alors enfin un appel d'Adi, elle est sur une piste. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Adi se fait violemment assommer. Guéant essaie de se renseigner sur Joyce et son trafic de diamants. Mais celle-ci ne lâche rien. Il fouille discrètement dans ses affaires et trouve des pierres précieuses. Il les subtile. En vérité, Joyce a encore des activités illégales afin de faire libérer son frère retenu en otage. Guéant montre ensuite les bijoux à Stéphanie, il veut les faire disparaître pour que Joyce ne soit pas inquiétée. Sauf que cela pourrait lui causer du tort en définitive. José rend Lali jalouse dans les Mystères de l'amour. Lali et Étienne s'embrassent mais José vient les interrompre. Elle est contrariée que ce dernier soit ici. José est en fait conseillé par Ingrid pour séduire enfin. Il fait d'ailleurs semblant d'aller rejoindre une autre femme, cela rend Lali jalouse. Au même moment, Nicolas et Hélène passent toujours plus de temps ensemble et se rapprochent. À la fondation, Dylan annonce à son ami qu'il aime Gabriella et qu'il part avec elle. Enfin, Jeanne vient voir Pierre, il ne veut plus être intime avec elle pour préserver leur amour. Il l'invite à faire de la méditation. Mais il cède à la tentation. D'abord perturbé, il décide finalement de remettre le couvert. À suivre dans les Mystères de l'amour. Loading widget.